C'était 5h30. Les bateaux viennent tout juste de tourner. Ça fait 4 ou 5 minutes. Donc, on va quitter avant là, que ça devienne des gros remous ici, comme ce qu'on l'a connu hier. Non, il fait beau. Sinon, on a cesse de faire des 180. Oui, on aurait dû tourner. C'est vraiment fatiguant. Si on tourne en rond, on est le seul bateau qui fait ça. Les autres, ils font pas ça. Non, nous, c'est dans le courant. Nous, on est dans le tourbillon. Puis ici, il y a des remous, là, mais des remous, puis à côté, c'est super des calme. Il y a de la mousse, les autres, bon, regarde. C'est la vie! C'est cool. Ouais. Et puis, on va commencer à bénéficier du courant tout de suite dans la grisaille. On vient de quitter la marina de Chaudière. De la Chaudière. De la Chaudière, parce que c'est la rivière Chaudière qui se déverse dans le fleuve. Et là, on va repasser sur le pont de Québec. Un pont sur lequel on a passé, ça fait quoi, là, un mois? Ouais. Environ un mois. Ouais, c'était le 11 juillet. Et puis là, on est le 11 août. Wow! Pile un mois plus tard. Et direction Portneuf aujourd'hui. Et là, c'est ça, on est 1h15 après la mer basse à Québec. Et on a déjà un demi-nœud, 0,6 nœud de courant avec. C'est vraiment pas long. Je vais leur faire de 15-20 minutes, puis la renverse au lieu, puis ça repart. Des trucs à voir. Donc après avoir croisé un cargo à la fois, nous allons maintenant en croiser deux. Mais là, c'est une petite averse, là, ça ne durera pas très longtemps.
Bon, le radar me dit qu'il pleut sur ma barre. Pas sur tes barres. Alors, on va y organiser ça, là. Et ouais. C'est bon. On a perdu le cargo dans la pluie. J'ai changé de bord. Il y avait une limite. Nous sommes à Portneuf. On a quitté la rivière Chaudière ce matin. Donc, un petit ride de 4 heures, environ 4 heures et demie, je pense. Il y a eu un peu de trafic maritime. Donc, on sépare ça en petites étapes. Ça nous permet de découvrir d'autres endroits aussi qu'on n'a pas fait lors de la descente. Demain, orage, avertissement de vent fort. Ça se peut qu'on colle ici une autre journée. En tout cas, on verra ça demain matin. On va regarder la dernière minute. Sinon, départ vers 9h. Pour Batiscan, ça devrait nous prendre environ 4 heures. Un peu moins. Un peu moins si, parce qu'on va être un petit peu. On fera pas la même erreur que lors de la descente. Là. On va arriver au bon moment dans les rapides Richelieu. C'est notre première fois. On a quitté Trois-Rivières un petit peu plus tôt que ce que les guides nous disaient. Donc, on s'est donné une marge de manœuvre là, d'une demi-heure. Mais là, on se trouve à s'être présenté dans les rapides Richelieu au moment où c'était le flot encore. Dans les faits, nous avions plus d'1h30 d'avance. Malgré l'attention apportée à la planification de notre première longue navigation, nous avons oublié de sélectionner le bon fuseau horaire généré par les tables des marées. Il nous a donc fallu lutter légèrement contre la fin du flot entre les balises Québec 7-6 et 6-8 dans l'amont des rapides Richelieu. On descend le fleuve, on se trouve à lutter contre à peu près un nœud de courant de flot dans les rapides Richelieu, alors qu'habituellement c'est là qu'il y a beaucoup de courant pour descendre. On va utiliser le maximum du courant parce que c'est une grande marée. Donc, on risque d'avoir un petit peu de flou avec nous. Faut être revenu pour le 23 à la maison. Jour, Portneuf, La Colle, 4, partie de Sorel. C'est bon. Alors, ce soir à Portneuf, spaghetti et une bannique. La bannique, simple et rapide à faire, est un élément de plus que j'utilise habituellement en camping sauvage et que nous avons intégré à nos habitudes sur le bateau. Un test, une bannique sur le barbecue. Merci, teacher SBD.
on quitte Portneuf. Il fait chaud. Je pense qu'il fait déjà 28 degrés. Il n'y a pas d'air. C'est humide. Ça longe des formations nuageuses. Orage fort cet après-midi, là, des orages de convection. Donc, là, notre souhait, c'est d'arriver à Batiscan avant que tous ces orages-là s'installent, se développent et nous tombent sur la tête. Donc, on espère faire le trajet en moins de 4h30. Et là, on est à l'étal, on arrive dans le bon moment. Donc, c'est parfait pour les rapides Richelieu. Après ça, on va tenir le cap jusqu'à Batiscan. Bon, je suis fatiguée avec mes cargos. On a tout le temps des situations de cargo qui sont, ma foi... Non, mais il n'y a rien de problématique. Ah! Il y a la largeur de mes deux mains ici pour passer. Puis là, on va se faire doubler par un cargo. Ben oui, tu vas le voir de près. Très près. J'espère qu'il a bien ajusté sa vitesse. Et j'ai l'impression que lui, il va en faire de la bonne vague, mes amis. Des gens sur un cargo. Ils ont fait des merveilles. Pénétrons dans l'embouchure de la rivière Batiscan à 13h, soit précisément à l'étal de Haute-Mer ici, et nous y observons une profondeur d'un peu plus de 3 mètres. Un chenal balisé indique clairement où l'on doit éviter de mouiller l'ancre. Au moment de notre passage, le niveau dans la rivière, à mer basse, atteint un minimum d'1,9 mètres. Prochaine étape, Trois-Rivières et Sorel.
quitte Batiscan à l'instant, la rivière Batiscan, et 11h30, on avait 1,07 m dans la rivière, 6,5 pieds environ. Et en ce moment, là, il y a à peine quelque chose comme 0,5 nœud de courant là, contre nous. Dans le fond, c'est la dernière fois où on utilise l'atlas des courants pour notre tour. Là, on a essayé de partir à une heure où on va diminuer l'effet du courant. Là. Mais dans 2 heures, tout ça n'aura plus de sens. Ça ne servira plus à rien. On va s'en servir pour les 2 prochaines heures. Après ça, fini l'atlas des courants. Nous profitons de ces longs moments à écouter la mécanique tourner pour valider les réglages des instruments ou approfondir les connaissances des paramètres avec lesquels nous sommes moins familiers, car c'est le premier été où ils sont connectés à Internet, ce qui augmente leur champ d'application. Tiens, notre 4 nœuds de vitesse moyenne. Il est 14h et nous avons à la hauteur du port de Bécancour. Ça va bien. On a réussi à conserver les 4 nœuds de vitesse moyenne dans les deux premières heures de navigation. Et là, ça tourne plus autour du 3,5-3,6 nœuds. Et là, il n'y a plus rien à faire à partir d'ici, là, jusqu'à Trois-Rivières. Donc, voilà. D'un cargo au radar. C'est une grosse tâche à rendre. Les bouées passent vraiment pas vite à 3,5 nœuds. On a le temps de faire du tourisme. Le premier bras de la Saint-Maurice, enfin. 2,2 nœuds sur le fond pour rentrer l'arrivée à Trois-Rivières. J'aime un peu moins les Trois-Rivières. C'était plus fun d'arriver en descendant. Monter à Trois-Rivières, là,
2,2 nœuds. C'est peut-être psychologique, là. Mais quand tu regardes les trucs, là, ça avance pas vite. Mais comme on a été habitué de faire du 7, 7,5, 8, 12. 12 dans la traverse Saint-Roch, les bouées passaient. Wouhou! Là, c'est long un peu. Finalement ancré dans la Saint-Maurice à Trois-Rivières. On n'a pas fait de voile. Je voulais faire une petite heure de voile avant de rentrer dans la rivière, mais on a eu une petite complication au moteur. On s'est rendu compte là, qu'il y avait, il y avait une vibration qui était anormale. Et puis on avait la moitié du débit d'eau pour l'entrée du moteur. Peut-être des herbes qui étaient collées, qui étaient siphonnées dans la crépine. Là, il y avait énormément de débris aujourd'hui. Ça a été c'est assez incroyable. On essayait de les éviter, mais il y avait beaucoup de gazon flottant. J'ai tout investigué, puis tout était beau. On a reconnecté ça. Merci, bonsoir. Voilà. Donc finalement, on va essayer de passer la fin de semaine ici. C'est dommage, c'est une fin de semaine. Yeah. C'est plein de monde. C'est ça. Il y a des choses qu'on contrôle pas, et puis... Mais notre voyage là, tire à sa fin. Après, la prochaine étape, c'est Sorel. Puis commencer à remonter la Richelieu. Donc, c'est comme ça. Nous sommes ancrés dans 2 mètres d'eau. Ben, évidemment, on n'a pas mis grand-chose. On n'a pas déroulé grand-chose. 2 mètres. Je me suis organisé à ce moment-là pour mettre un cordage. Pour pas que la chaîne fasse du bruit cette nuit. T'entends, parle plus fort, on t'entend pas. Je m'attendais à ce que Trois-Rivières soit difficile. Je ne m'étais pas imaginé que ça allait être difficile à ce point. Un dur retour à la réalité. Arrête de danser! Philosophie, bateau moteur. Civilisation. On était pas mal mieux à Tadoussac. Eh oui, jusqu'à 3h et quelques du matin. Prochaine étape. Sorel. Après l'entrée d'eau du moteur hier, retour à Eric à avoir des surprises de tuyaux, disons. Des surprises de boyaux. Donc, il y a un joint entre le réservoir septique et puis la toilette qui coule. Alors, ça, on va faire une vidange septique d'urgence. Et puis après ça, on va regarder ça. C'est super réveil ce matin. Un peu brutal. Hein, Marie? Mmh.
Notre second séjour à Trois-Rivières nous a permis de profiter d'un magnifique soleil et d'une baignade bien appréciée par les enfants. Nos laissez-passer familiaux nous ont donné accès au parc sur l'île Saint-Quentin et ont rassasié nos estomacs d'une gastronomie bien grasse et connue constituée de patates frites à la sauce brune et fromage. Une journée qui a débuté par une évacuation de jus brun, mais qui s'est heureusement terminée par un repas significatif et animé entre amis. Non, c'est bon? Ouais. Hein? Hey! Il y a de la laitie, là. Okay. Vous nous fournissez des pizzas jumbo. Ouais. C'est pas les petites pizzas habituelles. Là. Magnifique pizza. Ouais, une pizza, là. Ça, c'est la faute à Mélanie parce que... Mélanie, ça fait un mois qu'elle parle de pizza. Ben, c'est Marie qui nous a mis l'eau à la bouche, là. Ouais. En fait, c'est Mélanie qui voulait une pizza pour son dernier repas. Ben non, c'est pas ça qui est arrivé. C'est moi qui fais un focus sur votre four. Ah, ok, mais on l'a même pas fait dans le four, Marie, c'est incroyable. On l'a fait dans le barbecue. Mais c'était ouais. Comme significatif que c'était notre dernier repas. Ouais. Ouais. Ben, là, c'est pas dernier repas. Non, c'est l'avant-dernier, mais. Ouais. L'avant-dernier, ouais. L'avant-dernier. Demain, on mange spaghetti. Ouais. Départ de Trois-Rivières, 0500. Nous sommes le 14, nous sommes rendus le 15 août 2021. Cap sur Sorel. Nous quittons la Saint-Maurice relativement tôt, car nous souhaitons profiter d'un nord-ouest établi depuis minuit, dont on prévoit qu'il mollira dès le début de l'après-midi pour virer au sud en soirée. Changement de pilote.
07:17, donc 7h17. Nous sommes à la hauteur de la Sierra 25. Donc on a un nord-ouest. Début du lac Saint-Pierre, cap sur Sorel. On vient d'ici le déroulé de Génois. Et on fait 5 nœuds sur le fond. Donc on va essayer ça. Profiter, faire de la voile, pas mal mieux que de faire de la mécanique. C'est pas beaucoup plus agréable. Là, je vous laisse, je vais aller régler mes voiles. Salut, capitaine. Salut, salut. Tes voiles sont ajustées? Parfaitement, oui. Là, on est à 5,2, 5,3, au-dessus de 5 nœuds, en tout cas un peu au-dessus de 5 nœuds sur le fond. On fait 6,5, 6,8 sur l'eau. Donc, c'est intéressant. On va profiter de ce vent-là autant qu'on peut pour le lac Saint-Pierre. Et le vent est vraiment pas constant. Je m'attendais à ce qu'ici, sur le lac Saint-Pierre, avec une étendue d'eau qui est aussi grande, que ce soit comme régulier tout ça, mais il l'est pas ici. Là, on a pris un riz dans la GV. C'est un peu plus stable parce que là, les filles viennent de se réveiller. Ils doivent trouver que ça y va cowboy pour un matin à 7h30 du matin. Ben, là, c'est le fun. C'est vraiment le fun. Il fait frais. On est bien. Ça ressemble un peu plus. Il fait frais. Ça ressemble un peu plus à Tadoussac. Avec une épaisseur en moins là, mais c'est agréable, vraiment, vraiment cool. Du matin, 0900, et on arrive à la hauteur de la Sierra 68. Et là, ça fait depuis qu'on a hissé les voiles qu'on est tribord à mur. Et l'espèce de courant naturel du lac Saint-Pierre fait qu'on peut s'en aller en ligne droite dans le chenal. On n'a pas de bord à tirer. Là, on est au près. L'angle est un petit peu plus serré avec le vent, mais d'ici une demi-heure, on va changer de cap, puis là on va revenir au petit large. C'est fantastique. On avait prévu 9 heures de navigation au moteur, et là, ça risque d'être moins long. Surtout qu'on le fait, à la voile, sous voile. Le vent a molli. On s'attendait à ce qu'il meure vers midi, mais là, ça se fait de façon un peu plus précoce. Capitaine. Ouais, on a réussi à se rendre jusqu'à la hauteur de la Sierra 87. Et là, on a commencé à reculer. Par rapport au fond. Non. Donc là, 9h50. 9h50, on a quand même. Bon, je vais pas regarder là, mais. On a fait pas mal. Ben, on l'a presque traversé au complet au près. Là. Alors, on vient de démarrer la mécanique. Et puis, tranquillement, pas vite, on va se diriger vers l'archipel des îles du lac Saint-Pierre.
11h30 et nous sommes ancrés dans l'archipel des îles de Sorel. Nous étions ici le 4, 5 et 6 juillet. C'était le début de notre périple cet été sur le fleuve. Donc c'était la première expérience du bateau sur le fleuve. Première expérience pour Marie et les filles aussi. Puis ben moi, ça fait tellement longtemps. C'était pas avec mon bateau non plus, en tout cas. Donc je considère que c'était ma première aussi. Et ben voilà, donc demain, la Guerta s'en va vers Cap Melcap sur Montréal. Nous, on mettra le cap sur Sorel. Et ensuite, la rivière Richelieu, il va falloir démater pour entamer là, la remontée vers Saint-Paul de l'Île-aux-Noix. Eh bien, il y a de l'action même à Sorel. Les chaloupes de pêche perdent leur parasol. Hey, à Sorel. Ouais, à Sorel. À notre périple. Ouais. C'est officiellement la fin de la table des marées, l'atlas des courants du Saint-Laurent. D'ailleurs, à Trois-Rivières, j'aurais pu mettre ça de côté. J'y ai pas pensé. Et c'est aussi la fin des énormes et grandes cartes papier du fleuve Saint-Laurent. On va tomber avec des formats, disons, plus pratiques pour la rivière Richelieu. Donc, c'est ça, on est arrivé à Sorel et puis là, on va commencer à déshabiller un petit peu le bateau, le préparer pour le dématage demain matin.